Togo-Libéria, match nul, égalisation à la dernière minute. Les gars, nous devons payer les 25 millions de grand-papa Baudé. Ceux qui n'ont jamais vu la vidéo de grand-papa Baudé, écoutez d'abord sa voix. Il exige une somme de 25 millions pour pouvoir désenvoûter le stade de Kégué. Sinon, ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut on gagner le match? Et à la dernière minute, 92e minute, on a égalisé le but. Voici la vidéo de Papa Baudé pour vous et n'hésitez pas à vous abonner quand même. C'est à moi, je vous jure. Quand on a ouvert le stade comme ça, le premier jour, quand il a demandé pris la clé, à bout portail là-bas, là, il a remis à son fils, Rock, c'est moi que Rock a donné. Et la nuit, là, on n'a pas dormi. Rock et moi, on a fait une réunion au stade. Rock et moi, quand tout le monde est parti, on partait vers 23h, 0h, comme ça. Quels étaient les secrets de la gestion des... Je vais vous dire, je ne peux pas vous cacher. Parce que ici, ce n'est pas la politique, c'est le sport. C'est le problème. On vous a donné, c'est ton papa qui t'a donné la clé. Il ne faut pas qu'on dorme. On doit quitter. Il a accepté, il a appelé son papa. Le papa a accepté. Et on a quitté le Togo. Lui et moi, on est parti à quelque part pour aller préparer le stade. Je dis, on est parti à quelque part pour amener quelqu'un. Et ce quelqu'un aujourd'hui, il vient. Lui, il a trois maisons. Moi, j'ai une seule maison Demilo. Sur Demilo. Lui, il a trois maisons. Ce quelqu'un. Il est ici. Je vous jure qu'il est ici. C'est Togolais. Non. Mais il est encore là, vivant. Il est encore là, vivant. Et je les ai dit de laisser le match là. Sinon, le gars là va bouffer de l'argent. Parce qu'on doit, refaire le terrain. Parce que le terrain de Kégué, tout ce qui est dedans là, le jour où Roquet, on a battu en même temps là. Nous, on a enlevé. Ah bon? Fais-toi. Vous avez tout cassé. Toi, on a tout cassé. Je vous jure, on a tout cassé. Sans vous mentir, je vous dis la vérité. On a tout cassé. C'est pourquoi je t'appelais. Êtes-vous prêt aujourd'hui à apporter, à prêter même pour ça? Quand je les ai dit ça, là, il dit que non, le président les a dit que le match du Sénégal, quoi. J'ai dit, bon, je vais vous amener chez lui. Chez le monsieur. Nous sommes allés chez le monsieur. Le monsieur les a reçus. Comme ils n'ont pas marché sur ce que moi je voulais, moi je suis sorti les laisser. Parler, j'étais dehors. Quand ils ont fini, ils sont sortis. On est parti. Avec eux, ils m'ont emmené à la maison de poser. Donc quand ils m'ont emmené à la maison de poser, après tout, ils m'appellent qu'on est en train de faire. Est-ce que ça est en train de faire? J'ai dit non. On est en train de faire. Mais n'oubliez pas. Je vous ai dit que nous, on a préparé le terrain de Kégué. Au centre du terrain, oui, dans le micro. Au centre du terrain, sur les deux poteaux, on a placé des choses là-bas. Et maintenant, dans les vestiaires. Pourquoi vous avez enlevé ça? On a enlevé ça, c'est notre argent. Il ne nous a pas fait partir. J'ai laissé mon passeport avec la personne, son père. Dans le pays dont nous sommes partis le laisser. Et nous sommes partis le prendre. Papa Baudé, pardon, pardon. Je l'ai donné. Il n'a qu'à rester le jour où j'en avoir, je prends mon passeport. Baudé Mustapha, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aider encore comment dire, les IPF, en tout cas la Fédération Togolaise? Oui, c'est un peu que je doute. C'est que je suis parti en Coupe du Monde. Avec ce roufle. Je suis revenu avec ce refrain. Pourtant, quand les joueurs prenaient les 50 millions, nous, le savons, devrions prendre 25 millions. On prend la moitié. Voici la somme. Qui a fixé le taux là? C'est l'entraîneur, le Nagola. Viens ici. Parce que tout le pèse à son âme. Tout le voyage que moi j'ai effectué, c'est Kiss qui est venu. Il a dit que le travail que lui va aborder faire là, si on ne le met pas dans le staff technique, lui aussi va recevoir de l'argent. Les hommes insultaient seulement, vous les avez tout ça là. Je ne prenais même pas un franc. On me dit, le match est fini. Lundi, il faut aller voir Daen.
Allô? Mon collègue Mbondé est venu chez moi, remets-le 100 000, 200 000, 300 000. Pourtant, c'est moi qui distribue les millions aux joueurs avec le reste de sa technique. C'est qui a levé ça très vite. C'est qui a dit donc M. Bondé pour sa part? Qui a dit Mbondé? C'est devant, il y a de matière parti dire ça. Ça me laisse. C'est devant le président de la République. Oui, c'est devant le président de la République qui a dit ça. Monsieur Mbondé là, c'est lui. Le football togolais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça au général. Et c'est là demain qu'il nous a dit que nous on va aller en Coupe du Monde, c'est pas la CAN. Il nous a reçu toute la délégation. Oui, la première personne pour nous dire que non, je ne veux pas la CAN, c'est la Coupe du Monde, c'est là demain, paix à son âme. C'est lui qui nous a dit que vous, moi je veux que vous allez à la Coupe du Monde, c'est pas la CAN. Bien. Mustapha. Oui. Vous avez raconté donc une partie. Moi, je voudrais simplement m'assurer que vous restiez disponible pour aider ce football. Si je ne trouve pas le 5 millions, je ne peux pas. Je vous jure. La condition est là. La condition. La condition est là. Tout de suite, même si l'équipe nationale peut jouer là, je vous jure. Si moi, je prends de l'eau, je reste à ma voiture comme ça, je parle, je verse. Les économies peuvent tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Mustapha Bolé, je crois que. Et puis c'est moi qui ai aidé l'équipe nationale, on ne les a pas tués. Tous les joueurs devraient être mourir. Nous savons, les joueurs. Nous savons que vous avez. C'est vous qui vous occupiez également de la sécurité de l'équipe. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. Mustapha Bolé, le grand-papa, a tout expliqué. On doit, puisque depuis qu'il a affirmé ces propos-là, le Togo n'a plus gagné un match sur notre stade. Un match local ici, on n'a plus remporté. Soit c'est défaite, soit c'est match nul. Ça veut dire que quoi? Les propos du grand-papa Bondé ne sont pas juste des propos à prendre comme pagaille. Quoi. On doit cotiser. On va aussi essayer la voie là-bas. On va cotiser, voir si au moins les matchs prochains, là, le Togo peut faire du merveille ou pas. 25 millions n'est pas trop. Si 1 million de Togolais cotisait 25 francs par tête, on peut avoir les 25 millions. Soit nous prenons 250 000 personnes, on cotise 100 francs, et on aura les 25 millions pour pouvoir désenvoûter un peu notre stade. Sinon, c'est trop. Aujourd'hui, on se prépare, on dit non, on va gagner. Libéra, c'est simple, c'est léger pour nous. Et on gagnait le match. 92e minute, on a égalisé. Le but, ça c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Ça veut dire que quoi, peut-être ce que monsieur grand-papa Bondé a dit est vrai, peut-être c'est que tout ce qu'il a dit est vrai, puisqu'il a dit il a dépensé son argent pour préparer le terrain et tout, et ils ont cassé tout parce qu'ils ont été trichés. Nous ne sommes pas témoins, on n'était pas là-bas, mais on va juste prier grand-papa Bondé de verser l'eau là, de faire cette libation pour nous, pour pouvoir me remporter les matchs à venir. Sinon, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Il dit, quels que soient les efforts du Togo, quand lui verse de l'eau par terre, ça veut dire on ne peut pas gagner. Et ça s'est prouvé plusieurs fois. Peut-être c'est du hasard, de coïncidence, mais quand même, essayons de la voir. Si le gouvernement n'est pas prêt à verser les 25 millions, que quelqu'un se lève, et nous, les Togolais, si c'est 100 francs, là, on prend 250 000 personnes, on aura les 25 millions. Soit on prend 1 million de personnes et on cotise 25. On aura les 25 millions et nos matchs prochains là. On va aussi se réjouir quoi. Ça c'est juste mon point de vue. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais, c'était chaud. Je n'ai pas pris le temps de utiliser la caméra et tout pour faire la vidéo pour vous. Puisque j'étais choqué. Pour moi, je dis non. Aujourd'hui, on a brisé les propos de grand-papa Bondé, puisqu'il avait dit on ne peut pas remporter un match sur le stade de Kégi aussi longtemps que lui vivra. Ça veut dire que quand on a un match là et lui prie là, on ne peut pas gagner. Maintenant, on gagnait le match, je me suis dit non, grand-papa Bondé, on a brisé tes liens, on a brisé tes propos aujourd'hui et boum, à la fin, égalisation. Ce n'est pas sérieux, les gars, ce n'est pas sérieux. 25 millions de grand-papa Bondé, on doit cotiser ça. Demandons à notre gouvernement de faire quelque chose. Ne serait-ce que ça, pas dit sa part quoi. Il dit, les gens ont gagné, lui n'a pas gagné. C'est ça son point de vue. Donc, on va aussi encourager Chéhi, Emmanuel Adebala, légende vivante. Nous vous demandons de faire quelque chose pour grand-papa Bondé, pour au moins libérer, désenvoûter notre terrain
et les matchs à venir là. On peut crier, oui, 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 nous avons gagné. C'est juste mon point de vue. Je m'appelle Mr. A. Rao, l'étoile bleue. Et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Bye bye. On se capte. À la prochaine.